Allô? Voilà, vous êtes donc toujours, hein, le... Oui, monsieur Camara, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, ça fait pratiquement un peu une semaine hein, que il y a beaucoup d'événements actuellement dans votre pays au niveau donc de la Guinée, surtout après donc la manifestation donc de l'opposition hein, depuis le 27 février. Alors, est-ce que vous Oui. pouvez nous faire un peu le point de la situation, monsieur Camara? Alors, effectivement, depuis cette date, de cette manifestation qui manifeste, malheureusement avait dégénéré dans la violence, des bandes de voyous et de loubards ont profité de la tension politique qui existait pour commencer à s'attaquer d'abord aux magasins dans un certain nombre de marchés et ensuite commencer à s'attaquer aux domiciles privés dans les différents quartiers de la banlieue de la capitale. Et donc, il a fallu déployer les forces de l'ordre pour essayer de rétablir tout ça. Et malheureusement, ceci a engendré beaucoup de pertes en vie humaine et en biens matériels. Aujourd'hui, grâce à Dieu et à la bonne volonté des uns et des autres, le calme semble revenir. Et nous espérons que ça va durer. Justement, le temps également de mettre en place le cadre de concertation entre l'opposition, la mouvance présidentielle et la CENI pour enfin aller aux élections législatives. Mais du côté de l'opposition, hein, on a l'impression que toutes ces actions sont coordonnées hein, par donc le gouvernement et puis le RPG afin certainement donc de brimer un peu l'opposition. Alors, quel est votre point de vue par rapport à ça? Non, je pense, Monsieur Jacques Roger, qu'il faut à un moment donné savoir mettre le pied à terre, la balle à terre, comme on dit, et garder sa sérénité et éviter de mettre de l'huile sur le feu. Personne n'a souhaité ce qui s'est passé cette semaine en Guinée. Personne n'a quoi que ce soit à y gagner. Il faut qu'on soit tous lucides. À un moment donné, il y a eu une manifestation de l'opposition qui a dégénéré, ça a été géré plus ou moins mal, ça dépend de quel côté on se place, mais ensuite, ce sont des loubards qui s'en sont attaqués à des commerces et à des domiciles privés. Et je peux vous dire que dans ces attaques-là, il ne s'agissait pas de savoir est-ce que telle boutique appartenait au RPG, à l'UFDG, ou est-ce que telle maison, et ainsi de suite. Ce sont des bandits, c'est du véritable banditisme. Je pense que le plus important, c'est d'appeler à la responsabilité et d'éviter de vouloir à tout prix dire c'est l'autre. Parce que quand on finit ça, qu'est-ce qui reste? C'est un champ de ruines, des morts, des blessés et une tension politique qui est avivée par les discours haineux. Et ça ne se permet pas de faire avancer la Guinée. Donc quand on n'a pas de preuves, on n'affirme pas ce genre de choses très graves qui ne peuvent que briser et augmenter la haine et les rivalités entre les groupes. Mais sur le terrain, on a senti une tension entre la communauté Peul et puis la communauté Malinké, hein? Alors, quel est certainement Alors, votre... justement, vous voyez, les gens sont victimes justement de cette présentation, de ces stéréotypes-là, de cette présentation des choses. C'est absolument faux. Il est vrai que si vous dites tout de suite qu'il y a une opposition entre l'UFDG, le RPG, les gens vont tout de suite penser à l'électorat de M. Alpha Condé, de M. Sélou d'Alain Diallo et dire que c'est un affrontement qui est plutôt entre Peul et Malinké. Je vous dis, ce sont des commerces qui ont été attaqués par des loubards, des bandits. Bon, si, effectivement, si on considère que beaucoup de ces commerces sont occupés par des Peuls, on dira que ce sont les Peuls qui ont été attaqués. Mais je refuse de rentrer dans cette logique-là. Les commerces auraient été tenus par des Libanais, des Français, des Guerviers ou des Soussous, ça aurait été la même chose. Ces commerces-là auraient été attaqués de la même manière qu'ils l'ont été à la faveur de cette tension politique-là. Je crois qu'il faut sortir de ça. Vous voyez? C'est à Conakry qu'il y a eu une manifestation. Elle a dégénéré, il y a eu des affrontements à Conakry. Il y a eu des manifestations à Boké, à Labé, à Mamou, même si elles n'ont pas été beaucoup suivies, mais il n'y a pas eu de troubles là-bas, il n'y a pas eu d'affrontements. Il y a des Peuls à Kissidougou, il y a des Peuls à Sigiri, il y a des Peuls à Kankan, malgré tout ce qui s'est passé à Conakry. Et surtout, je vous le signale, malgré la manipulation que les gens ont voulu faire de l'événement, il n'y a pas eu d'affrontement là-bas. Donc on arrête de dire que c'est un affrontement entre Malinké et Peul. Ça, c'est prendre des raccourcis et c'est irresponsable. Mais le bilan est quand même lourd. On parle de 9 morts et près de 300 blessés. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment, 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 vraiment déplorable. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie, et ça, vraiment, c'est la chose qu'il faut regretter le plus. Je crois que aujourd'hui, on ne doit plus se permettre de mettre les populations dans des situations de danger pareil et dans des situations de tension. On ne va pas inventer les choses. Tout le monde sait que la Guinée est actuellement sous tension depuis la fin des élections présidentielles.
Quelles qu'en soient les causes, ça c'est autre chose. Mais je pense que la responsabilité de chacun d'entre nous, c'est faire de telle sorte d'éviter d'avoir à confronter les Guinéens entre eux et même avec les forces de l'ordre. Malheureusement, effectivement, on assiste aujourd'hui à une situation qui est dramatique avec des pertes en vies humaines et surtout des jeunes. Et ça, c'est vraiment dramatique. Oui, alors hier, donc le chef de l'État a rencontré donc les acteurs politiques, donc les leaders de partis politiques. Il a donc instruit le Premier ministre, en même temps d'organiser des échanges afin donc de trouver donc une solution au problème en Guinée. Alors pourquoi avoir mis trop de temps et qu'est-ce qui changera cette fois-ci? Ben, je serais tenté de poser la même question. Quand on dit pourquoi avoir mis tant de temps, les gens oublient trop vite qu'il y a quelque temps, il y a eu un cadre de concertation qui regroupait également le CNT, des acteurs neutres, la société civile, les religieux. Ce cadre de concertation a permis de résoudre un certain nombre de points par rapport aux revendications de l'opposition. Les gens oublient ça trop vite et pourtant c'est une vérité. La preuve, c'est qu'il y a à peine 10 jours, un des leaders de l'opposition disait sur les ondes d'une des plus grandes radios de Guinée que sur les 13 revendications de l'opposition, il n'en reste que 3. Ça veut bien dire qu'on en a pris en compte au moins 10. Donc ça, c'est très important. Il y a eu un cadre de concertation. N'oubliez pas également que régulièrement, les partenaires de la Guinée, que ce soit le PNUD, l'Union européenne et même l'OIF, sont venus dans cette concertation pour apporter leur appui à la CENI et expliquer aux partis politiques les efforts qu'il y avait à faire pour améliorer techniquement le processus électoral. Donc, depuis le moment où nous avons fini la présidentielle jusqu'à maintenant, il y a eu des tentatives de conciliation, même si, effectivement, ce n'était pas dans un cadre spécifique, structuré, mis à part ce qui s'est passé au Palais du Peuple il y a quelques mois. Donc maintenant, on est revenu encore sur la demande de l'opposition et voyant que l'insistance continue, on va relancer encore, donner une chance au dialogue, en espérant que tout le monde vienne à ce dialogue de bonne foi. Parce que quel que soit ce qu'on décidera, quelle que soit la forme du dialogue, si les gens ne sont pas de bonne foi et n'ont pas envie d'arriver à un accord, on n'y arrivera pas. Alors, revenons certainement aux revendications, aux 3 revendications de l'opposition. Quel est votre point de vue par rapport donc aux voix des Guinéens et des étrangers? Est-ce que le gouvernement est favorable? Non, le problème n'est pas de savoir si le gouvernement est favorable, le problème est de savoir si juridiquement et techniquement et matériellement c'est possible. Nous avons considéré, et la CENI jusqu'à présent, que ça allait être difficile à mettre en œuvre. Je ne reviens pas sur le débat juridique. Il y a un débat juridique aujourd'hui qui dit que certes la Constitution le prévoit, mais aujourd'hui on ne peut pas considérer l'étranger comme étant une circonscription électorale puisque le code électoral dit qu'il y a 38 circonscriptions électorales en Guinée, 33 dans les régions et les 5 de Conakry. Donc le vote, les circonscriptions électorales de l'étranger ne sont pas prévues en tant que telles. Mais je ne rentrerai pas dans le débat juridique. Il y a un problème technique et financier pour organiser ça. Les Guinéens de l'étranger représentent 3% de l'électorat. Je vous signale que j'étais habitant il n'y a pas très longtemps, les sympathisants du RPG, de l'arc-en-ciel, également demandent à pouvoir voter. Ça veut dire que si l'étranger ne vote pas, aussi bien l'opposition que la mouvance présidentielle a un problème avec ses partisans et nous sommes désavantagés de la même manière. Donc je ne vois pas pourquoi faire une fixation là-dessus. Qu'à cela ne tienne, le cadre de dialogue permettra de déterminer. Permettez-moi de ne pas rentrer dans trop le débat, sinon ça serait marcher sur la langue de ceux qui vont commencer à négocier après-demain. Je suppose que c'est aussi le cas avec Wemak Sabari, c'est un peu cela? Non, le cas de Wemak Sabari, en fait, il est très simple. Je disais sur une radio que ni l'opposition ni le gouvernement ne connaissaient Wemak à part ces derniers mois, ces dernières années. Il n'est pas non plus tombé du ciel, mais enfin, si ce n'était pas parce qu'ils viennent pour participer à un processus électoral et qu'on doute d'eux, on n'aurait pas de problème avec Wemak. L'opposition n'a pas, je pense qu'ils n'ont pas une histoire particulière avec Wemak. C'est tout simplement parce que l'opposition doute de la neutralité de Wemak. Et elle doute de la neutralité de Wemak tout simplement parce qu'elle estime que c'est le président de la République qui l'a fait venir. On appelle ça un procès d'intention. L'objectif maintenant, je pense, c'est d'abord de rassurer et de garantir l'opposition sur la qualification du processus et leur dire que ce soit Wemak ou un autre opérateur, il sera impossible de tricher et de faire de telle sorte qu'elle soit désavantagée. Nous avons déjà des signes importants en la matière, des experts sont venus et je pense que l'un des objectifs, ça sera sans doute essayer de donner à l'opposition des garanties et des gages de sécurisation du processus électoral, que ce soit avec ou sans Wemak. Mais là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails des négociations qui vont se mener à partir d'après-demain.
Alors, il y a une crise donc de confiance au niveau donc des acteurs politiques actuellement en Guinée, hein, Monsieur Fofana, Bakary Fofana, qui a été donc choisi il n'y a pas plus de 4 mois, hein, fait aujourd'hui. Qui a été élu, qui a été élu, hein, je précise, élu. Pas plus de 4-5 mois aujourd'hui, hein, je crois qu'il n'y a plus d'unanimité autour de lui. Hein. Est-ce que nous sommes répartis encore pour un nouveau président de la CENI? Mais reconnaissez avec moi que ce serait dommage. Hein. On avait un président, bon, malheureusement, il est décédé, et il y en a un autre qui a été élu, il a été récusé. On a fait venir un Malien pour nous aider au processus, celui-là est parti. On a élu un nouveau, enfin, le nouveau président a repris fonction, il a été récusé encore une fois, on a permis il a démissionné, un autre est venu, on a recomposé la CENI. Il va bien falloir qu'à un moment donné, on se mette d'accord sur les mécanismes et sur la légitimité des acteurs du processus. Ce qui est intéressant de noter, M. Jacques Roger, c'est que lors de la rencontre avec le chef de l'État, toutes les parties en présence ont déclaré vouloir se conformer à la loi. Et je pense que seule cette solution-là permettra de lever toutes les dernières ambiguïtés, les dernières difficultés. Mais on ne peut pas perpétuellement, à chaque fois qu'un acteur, qu'il soit du processus ou pas, prend une position qui n'est pas exactement conforme à ce qu'on veut, dire qu'il faut que ce monsieur la quitte. Moi, je vous rappelle, hein, tout simplement, aujourd'hui, on dit que l'OIF doit venir. Moi, il y a même pas, au mois d'août dernier, il y a un leader de l'opposition qui disait que l'OIF, c'est l'Organisation internationale de la fraude. C'est maintenant cette OIF-là qu'on réclame pour venir expertiser la CENI. À un moment donné, il faut qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Alors, monsieur Camara, le dernier mot, hein, pour les auditeurs, voilà, je veux dire le mot d'espoir pour les auditeurs qui vous écoutent. Je dis aux auditeurs, et je l'ai dit de la manière très ferme, c'est qu'aujourd'hui en Guinée, le principal problème, nous le reconnaissons, c'est un problème de crise de confiance. Ce n'est pas un problème ethnique, ce n'est pas un problème politique en tant que tel, c'est un problème de crise de confiance. Si chacun d'entre nous fait un petit effort de s'écouter, je pense que nous arriverons à un degré de compréhension qui permettra d'aplanir tous ces doutes qu'on a sur les autres. Et qu'on fasse un peu confiance à ceux qui nous accompagnent pour qualifier le processus électoral. Une fois qu'on aura cette petite confiance-là, avec des instruments qui nous permettent de mesurer et de suivre le processus électoral, le problème ne se posera plus. Mais pour ça, il faut qu'on s'écoute. Alors, M. Camara, je vous remercie. Au revoir, portez-vous bien. C'est moi qui vous remercie et bonne chance à vous. Merci. Au revoir. Alors, nous étions donc en direct avec M. Albert Damantan Camara, qui est donc le porte-parole du gouvernement donc guinéen depuis donc Conakry.